Salut à tous, ici Sprulex et bienvenue dans le 56e épisode de Zelda, de Legend of Zelda, Breath of the Wild, excusez-moi. Nous allons donc continuer avec les sanctuaires des contrées Gerudo. Donc, nous ne sommes pas encore allés ni dans les dunes de Tourma, ni à la geôle du dragon, ni à l'oasis du sud. Mais pour cela, il nous faut un peu plus de résistance à la chaleur. Alors, j'ai besoin de me déguiser. Parce que malgré que je les ai sauvés, ils ne veulent toujours pas entendre parler de garçons dans la ville. Bon, en tout cas, les bien-pensants ne veulent pas entendre parler de garçons dans la ville. Alors ici, ah oui, on peut aller chercher des vêtements anti-chaleur. C'était un peu cher, mais maintenant j'ai quelques rubis, je peux. Donc par exemple le pantalon, 650, oui. Ok. Et les épaulières, 1300, j'ai pas assez. Ok. On peut récupérer un morse des sables, toujours, je vais éviter de payer. On y va doucement. Tiens non, ce que je vais faire, tant que je suis aux emplettes, c'est faire une provision de flèches. Parce que j'ai vu que j'en avais plus énormément. Donc j'ai 21 flèches normales, mais j'ai plus de flèches de feu, plus de flèches électriques. Et glace et explosifs, c'est limite aussi. Donc je ne sais pas là-bas. Là-bas les flèches. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. En bois c'est bon, 10 flèches de feu. Hop, un lot de 10 flèches. Ok. 10 flèches de glace, 140. Un lot de 10 flèches. 10 flèches électriques. Ok. Et 20 flèches explosives, 600, ouh purée. Bon, on va éviter alors les flèches explosives. Ok, on est parti. J'ai dépensé énormément d'argent. Mais maintenant au moins, on pourra s'en sortir. Sérieux? Allez, on va prendre
prendre un autre alors, hein, puisque notre habituel a enfin compris qu'il devait regarder derrière lui. Allez, doucement, doucement, doucement. Et je te prends. Voilà. On est parti. On est parti vers le sud. Quoique non, hier soir la température va descendre. Enfin, il faudra quand même que je me change à un moment. Là, il y a des eaux avec avec des algues. On s'en fout, on passe. Alors, on est parti vers où là? On est parti vers Geôle du Dragon. Non, on va d'abord faire les dunes de Tourma, c'est plus proche, au cas où. Alors, ça a l'air d'être là. Alors, il y a des gens qui appellent à l'aide. Hop. Alors, on y va. Ouf. C'est quoi ça? Il y a un beau goblin blanc. Là. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi? D'argent. Attention. Voilà. Je te protégerai. J'ai peut-être besoin d'une meilleure armure. Je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même. À battre. Voilà, une grosse baffe dans sa tête. On continue. Ouais, bah le bras, les attitudes, l'âme. Aïe. Ah, c'est raté. Je voulais tenter la charge. Oh, un rubis. Ok, et il fait froid. On va vite mettre un petit pantalon. Un petit pantalon. Voilà. Fait meilleur. Jolène, on est en route pour la cité Gerudo. On est plutôt beau gosse, non? Je suis sûr qu'on va faire des ravages là-bas. Toi, t'es peut-être doué à l'épée, mais avec ta tête, je pense pas que t'aurais beaucoup de succès. Tu n'imagines même pas. Voilà, qu'est-ce qu'il nous raconte? On serait pas perdu. On est à la recherche de la cité Gerudo, l'oasis du désert. Et il paraît que c'est une ville où il y a que des femmes et que beaucoup d'entre elles sont super mignonnes. Alors, vu comment je suis super viril, je vais faire un malheur là-bas. Oh, laisse-moi deviner. T'es jaloux, hein? Laisse tomber, un petit fréluquet comme toi n'a aucune chance là-bas. Ok, bon, bof.
Tant mieux pour vous, hein, j'ai envie de dire. Et je ne suis pas encore à la dune de Tourma. Alors, on va vite reprendre notre morse. On y va doucement pour pas trop l'effrayer. Ouais, bon. Ça, pour l'effrayer, c'est raté. Enfin, c'est réussi plutôt de l'effrayer. Ok, et le dernier. Voilà. À côté d'un des alphos, hein. Allez. En plus un électrique. Ok, il fait 100. Si on sait la lune de 100 en plus, oh purée. Allez. Voilà, voilà, et voilà. On se refait les joues. Ou tu préfères une autre... Voilà. Alors, j'ai pas de place. Parce que rien du tout, en fait. C'est juste que je n'ai pas de place. Alors. Est-ce que je peux être tranquille pour récupérer mon mort, s'il vous plaît? Allez, allez, allez! C'est bon! Juste avant la lune de sang. Voilà. Bon, passé, hein, c'est toujours la même rengaine. C'est pas la première fois qu'on l'a. Ce sera pas la dernière. Par contre, on va plus loin. Il y a du lézal. Il y a des chouchous électriques. Il y a du monde. Ça m'étonne qu'il n'y a pas soufflé dans sa corne. Voilà déjà. Alors, ce que je vais faire ici. Voilà. Ok, alors, voilà. Bon,
je me fais toucher avec, mais au moins... Non, non, non. Bon, toi... Voilà, je veux plus te voir. Voilà. Très bien, un en moins. Et encore un bokoblin en plus. Bon, tu vas où? Vas-y, va chercher une arme. N'est-ce pas donc rouillé? Bon, il est reparti dormir. Ah non, il y en a un autre qui dort. Aïe. Je m'approche trop près, c'est le problème. Allez. Ah voilà. Ouais, c'est bon, ouais. Les cailloux là. Alors il y a un chuchu. Une flèche de feu. Noix de coco. Couvercle de marmite, on s'en fout. Noix de coco. Louche, on s'en fout. Bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est déjà ça. Bon, il y a toujours un bokoblin là qui m'embête. Ouais, bien sûr, il bouge la tête juste au moment où je tire. Allez! Sérieux, quoi? Bon, il n'y a pas l'air de vouloir faire un tir à la tête. Alors, on y va. Aïe! Bon, espadon rouillé, c'est très bien. Voilà! Essayer de récupérer quelques flèches si c'est possible. Oui, elles sont là. Ok. Hop. Toi, je t'ai vu. Plein de richesses. Hallebarde royale, c'est très bien. Alors, on peut laisser le morse ici. Non, je vais le prendre avec. Comment ça, il m'a entendu? J'ai été trop vite. Oh. Sérieux? Non, je ne bouge pas. Voilà. Détends-toi. Ça va bien se passer. Obligé d'aller derrière lui, mais là je le vois plus. Il est là, ok. On y va doucement. Il est sur le dos, tant mieux.
Voilà. Alors, on est parti vers l'oasis. Vers les dunes de Toundra. De Tourma. Alors, c'est juste là. Ouais, c'est quoi ça, Moldarkor? Ok, il y a une bestiole et elle est là. Ok, vite, 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 vite. Aïe, 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 aïe. Oh! D'accord. Ok. Bon. Il y a une bestiole qui garde quelque chose, en tout cas. Bon, on va y aller à pied. C'est pas très loin. C'est vers le sud. C'est juste là. Ok. Alors, je vois, il y a une bestiole sous la terre. Ça me fait penser un peu à Dune. Ok, alors. Déjà, il y a lui là. Sérieux, allez. Oh. Belle bête. Non, mais... Ok. Et bien entendu, j'ai oublié de faire à manger avant de partir. Alors, bonjour Pépé d'Ahors. Ok, alors. Toi là. Normalement, je suis en hauteur. Il peut pas venir jusque là. Toi, je te... Voilà, tu fais du bruit. Oui, c'est bien, vas-y, 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 continue à faire du bruit, essaye de me cracher dessus, c'est bien. Bon, Moldarkor, là, machin, bidule, tu viens ou... C'est une belle bête, hein. Allez, il fait du bruit, là. Non. Et toi là? Bien sûr, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Ouais, c'est là que des flèches explosives m'auraient fait du bien. Bon, t'arrêtes de sauter, ouais. Voilà. Hmm.
Ok, il est bien sensible au son. Sérieux, non? Allez, je cours, je cours, je cours, je cours et je me fais avoir. Alors, y a-t-il une manière que vous pouviez ennuyer la créature? Je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. C'est justement ça le problème. Je découvre cette créature en fait en ce moment même. Hein. J'ai compris qu'elle était sensible au son, donc peut-être une petite bombe la ferait venir. Et j'imagine qu'on peut la toucher qu'une fois qu'elle est dehors du sable. Alors peut-être que une bombe puis une flèche bien placée. Alors Moldar Core. Des flèches de feu, oui j'en ai. Pas beaucoup mais j'en ai. Ok, c'est bon, il a fait du bruit. Flèche de feu, j'en ai. Ok, 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 ok. Et sans le vouloir, j'ai en plus tué des... Alors, non, il a décidé de pas venir. Allez, viens. Tourne-toi. Ok, voilà, c'est très bien. Bon, je vais pas aller loin. Mais j'ai bien compris. Non. Ah, peut-être avec une flèche explosive, mais j'en ai que... Non. Mais je n'en ai pas beaucoup des flèches explosives, hein. C'est ça le problème. Raté. Non. Trop... Il est trop loin. Allez. Voilà. Bingo. Allez. Un truc un peu plus puissant et on est parti. Wow! Hey, super puissant la foudre en fait! Hey! Bon. Par contre, lui aussi super puissant. Ok. J'ai vu quoi? On recommence. Je vais me soigner d'abord. Donc ça va être en mangeant ici des pommes. Parce que j'ai pas trop le choix. Ok. C'est bon. Donc. C'est une bonne technique. Ce que j'ai trouvé. Oui, j'ai que 3 flèches explosives, quoi. C'est ça qui me... Est-ce que j'ai pas une arme qui est plus puissante? Je peux prendre la hache de gardien 2.0. Ok.
Alors, Moldarkor. Trop tard. Ok. Allez, viens, 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 viens. On se prépare à tirer. Il a pas aimé ça. Hop, c'est pas bon, elle va bientôt péter. Alors on va prendre. Yep. Wow, 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 elle s'énerve. Parfait. C'est parti. 3, 4, 5 et on le finit. Ah ouais, c'est super puissant cet éclair. Oh, joli. Viscère de Moldarkor, pas mal. Aileron de Moldarkor. Encore une chose ici. Et encore des viscères. Et des coffres. Espadon le chevalier. Ouais, bien sûr, je n'ai plus de place. Mais j'ai une épée pourrie que je pourrais. Espadon le chevalier. Alors, voyons, voyons. Qu'est-ce que je peux virer? Je peux virer l'épée pourrie, déjà. Et je peux virer la lance. Ok, alors, on arrive ici, qu'est-ce qu'il gardait exactement? Ok, faut... Ah bah, c'est bien, j'ai une un trident de flamme. Voilà. En espérant que c'est pas des flammes bleues qu'il faut. Parfait. Et la même chose, et j'imagine que c'est un sanctuaire. Parfait. Alors, il commence à faire trop chaud. C'est normal, c'est mon épée de flamme qui fait ça aussi. C'est pas encore assez. Alors. Voilà. On va même trier les affaires. Voilà. Sanctuaire de Tokayu.
Ok, c'est qu'une bénédiction. Alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Alors, Gerudo. Ok. Autant dire rien du tout. Par contre, ici, je n'ai plus qu'une flèche explosive, donc un deuxième Molder Core, ce serait pas... Ce serait pas l'idéal. Alors, ensuite, nous sommes où? Nous sommes là. Nous voudrions aller voir les geôles du dragon. C'est vers le sud, oui, vers le sud-sud. D'accord, c'est dans le... Dans la tempête de sable là-bas. Ok, on y va. On va aller à pied puisqu'il n'y a pas de morse des sables tout près. On va bien se rediriger une avant d'arriver dans la tempête. Alors, je vois... Ah, on va aller vers ce... Vers ce rocher là-bas. Ça a l'air d'être par là. Attends, je vais voir, je pointe bien vers ce rocher. Et joli dragon, c'est juste à côté. Mais au moins, là, j'ai un point de repère qui sera visible même dans la tempête, j'imagine. Ou au moins que la tempête soit avant. Soit après, pardon. Bonjour Clément. Alors, il y a trois cactus ici. Est-ce que par hasard il faudrait retirer ça, ce serait... Non, ça marche pas comme ça. J'ai besoin... Ok, je suis pas assez prêt. Bon, j'avais pris les trois. Ouais, je vais tout prendre. Mais j'imagine qu'il y avait un corps au goût à cet endroit là. Ah, j'aurais dû le faire peut-être à l'arc à flèche. Ah, d'accord. Ce n'est pas un rocher. C'est un crâne. Et j'y vois déjà plus rien. Ok. Donc si c'est un crâne, c'est qu'il y a des bokoblins ou des trucs comme ça. Dans ces cas-là, n'est-ce pas, dans Gerudo? J'ai encore une charge électrique. On va tout faire péter. Sauvegarde. Ok, ouais. Il y a des bokoblins. Ok. Allez là les gars. Aïe. Raté, raté, raté. Mauvaise idée. Eh, c'est raté. Je dois le faire avant. Ok.
recommence. Alors, tout droit, je vais prendre la petite épée que j'ai, la seule d'ailleurs. Et on est parti. On va tous les foudroyer d'un coup. Allez, appelez à l'aide. Ah, sérieux quoi? Ouais, et bien sûr, je l'ai lâché. Bon, on recommence. Voilà. On va recommencer. Ok. Alors, on n'hésite pas. On prend tout de suite ça. Voilà. Alors, oui, je joue sur Switch. C'est parti. Allez les gars, venez tous, et c'est parti! Allez. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre cher déjà, oui. Allez, cours un peu. Bon, c'était bien tenté, mais pas assez. On continue, on recommence. C'était bien parti, mais... Allez, on y va. Il y en a un qui nous a vus. Il commence à... C'est parti. Allez, hop, 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 hop. On prend l'espadon Gerudo. Aïe. Et on est parti pour un petit tourbilol. Bon, on peut prendre la hache. Voilà, ça fera de l'espace pour après. Parfait, un en moins. Et le dernier. Alors, j'en ai encore un. On va éviter de faire l'explosif. Voilà. Parfait. Alors, Draco Badmoblin, c'est très bien. Alors, compartiment du bouclier est plein. Ok.
C'est pratique le pouvoir du chameau. Alors, longue épée électrique. Je n'ai pas assez de place, c'est pas grave, on va en faire. Ok, alors, est-ce qu'il y a des flèches? Ça me serait utile d'en avoir, il y a quelque chose là, déjà, c'est un arc. Ici, il y a des morceaux de monstres. Et un arc en bas. Alors, il y a un arc, c'est tout. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Et un arc aussi. Alors, à partir de là, je pense qu'on peut aller par là. Il y a une forme. Ah, c'est un squelette. Oh, sanctuaire. Oh, grand fossile du désert. Ça, c'est bien. Et c'est... Oh, il y a aussi une grande fée juste à côté. Bon, on va déjà passer par le sanctuaire pour dire de récupérer un peu de vie. Ou de mourir, hein. Parfait. Alors, conduire l'électricité. Bah là, ce sera ma quatrième. Alors, conduire l'électricité. D'accord. Ok, ça c'est très bien. Évitez de trop m'approcher, sinon je meurs. Voilà. Ah bon? Je sais pas, franchement. Étant donné que j'ai jamais su rien qu'acheter la baraque à 3000, j'imagine que oui, ça va me faire mal puisque la dernière était à 1000. J'imagine que ça va être quoi? 2, 2005, 3000, 5000? Alors ça marche. Allez. Et voilà. Ok. Alors. Ensuite, il y a de la flotte. Non. T'es où? Il est où? Comment il peut m'avoir de si loin? Voilà. Ok. Cœur antique. D'accord.
je l'ai dénoué. Je l'ai dénoué. Maintenant, il faut que je l'emmène par là. Ok. D'accord. Alors, on va éviter de marcher sur la chaîne. Et on regarde une fois par ici. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. On va prendre l'ascenseur. Ok, il y a une boule. Il y a une boule. Alors, il y a des choses à activer avec l'électricité. D'accord. D'accord. Donc c'est un piège. Si l'électricité touche... Aïe. Enflure. C'est fini, ouais. Voilà. Alors attention, à l'eau, elle est électrifiée. Voilà. Alors, assez haut pour que ça touche pas. Un ressort, ici il y a quoi? Une vis. Ok, et il n'y a plus rien d'autre. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je viens ici. Et ça, si je l'active, ça fait quoi? D'accord, une plateforme là. Et petit coffre bien caché. Ouh, 300 rubis, c'est beau ça. Alors, voilà. Alors, voilà, on avance, et voilà. Ouais, ok, il manque un rouage. Alors, ici, t'appuies là-dessus. Ok. Tu relâches, ça revient et ça glisse dans l'autre sens. Le courant doit passer de proche en proche. Ok. Ce qui fait que... Je vois que là, il y a... Et ça qu'on peut mettre ici par exemple. Voilà. Ah zut. Donc ça, on le met un plus loin. Ok. Maintenant, on va arrêter le temps pour... Voilà. On bouge de là. Ah, zut. Allez, allez, allez. Raté. Bon, allez. Voilà.
On recommence. Allez. Voilà. Parfait. J'ai eu chaud, mais j'y suis arrivé. Et donc, il y a un rouage. Ok. Et il y a un coffre derrière. Saphir brut. Joli. Voilà. Allez. On y va, j'ai le rouage. J'ai le rouage. On n'a plus qu'à le poser. Merci pour le GG. Voilà. Parfait. Ouais, il y a un souci là avec les rouages. Hein. Mais bon. On va dire c'est un petit détail. Ok, on va aller voir la grande fée. Très bien. Non, non, ça caille ici. Pas trop vite, pas trop loin. Ok. Alors, je vais en profiter, je vais récupérer 2-3 petites fées. Et il y a un morse en plus. Tant pis, j'en ai une. On y va. Examiner. Homme. Jeune homme. Écoute ma requête, je t'écoute. Je suis la grande fée Terra. Autrefois, cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des ans, les dons de rubis se faisant plus rares, je me suis affaibli au point de me retrouver dans cet état. Alors, je t'en prie, offre-moi quelques rubis, quelques. 10 000 rubis devraient suffire. Oh purée, 10 000 rubis quoi. Oh purée. Dès que j'aurai recouvré toutes mes forces, je suis sûr que je pourrai être utile. Donc oui, ça fait très très mal. Alors, si tu as des rubis, donne-moi vite. Pour retrouver toutes mes forces, il me faut encore 10 000 rubis. Non, désolé, je les ai pas. C'est vraiment dommage. Ok, bah on va devoir aller farmer les rubis, quoi. Hein. Je récupère quelques herbes. Voilà. Bon, je vais tout récupérer, comme ça je peux vendre. Ça me fera des rubis supplémentaires. Alors, j'ai un doute. Non, non, j'ai pas envie de me retrouver à poil. J'ai un doute. Parce que on m'avait demandé dans une quête de faire une photo de baleine. Eh bien, c'est bien ça. Alors, déjà, voilà. Non, effacer.
Voilà. Non, j'ai plein de gemmes s'il faut. Ça va, il n'y a pas de souci pour ça. Je vais pouvoir vendre des choses, mais pas tout de suite. Alors, voilà. Est-ce qu'on a fini les contrées, Gerudo? J'ai pas encore fait l'Oasis du Sud. Mais voilà. Pour YouTube, on va s'arrêter là pour cette vidéo, étant donné que ça fait presque une heure. Pour Twitch, on va continuer tout de suite. Donc YouTube, on se dit rendez-vous demain pour la suite. N'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater la suite. Vous pouvez mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir à lire et j'y réponds. Vous pouvez partager la vidéo, vous êtes libre de le faire. Et sinon, eh bien, je vous dis à demain. Et donc, portez-vous bien. Bye.